Bonjour. Bonjour. Ryan. Votre prénom c'est Céline. Céline. Et puis John. Aujourd'hui, il n'y aura que deux personnes au monde qui regarderont tes intérêts, c'est ton papa et ta maman. Et pour ne pas avoir eu ça pendant ma carrière, c'était ce que je voulais t'amener. Pour l'instant, c'est la première fois qu'on se voit réellement. Et du coup, te donner un petit peu des stages, un coup de main, des choix sur la moto. Pour l'instant, on commence comme ça. Donc, c'est que du positif sans aucun intérêt. Donc, vous voulez tout paramétrer. C'est normal, ils sont vivants. Eux, ils veulent t'éduquer. Et ils ont mis un programme avec toutes les courses, avec toutes les dates. Et c'est, si jamais vous avez besoin, que ce soit une réponse, pas... Si je te donne mon opinion et qu'elle est différente de la vôtre, elle est différente. Et puis après, dans un futur, on verra si jamais la préparation physique, là, c'est beaucoup trop tôt. Et moi, je suis pas du tout pour paramétrer. Encore une fois, les jeunes comme ça, c'est eux qui nous montrent quoi faire. Je m'appelle Gauthier Paulin, j'ai 31 ans, je suis ex-sportif professionnel avec quelques podiums en Grand Prix, quelques titres de champion du monde, plusieurs fois capitaine de l'équipe de France. Et aujourd'hui, on vient de rencontrer Ryan. Je m'appelle Ryan Oclier, j'habite en Suisse, j'ai 13 ans et je fais de la moto. Je roule tous les week-ends presque et je m'entraîne deux fois par semaine, le mardi et le mercredi souvent. Parfois, je rate un peu l'école quand j'ai roulé en France ou en Italie. Et après, je rattrape. J'ai commencé la moto à 5 ans, donc ça fait déjà un petit moment. Et les petits, hein. Il y a les bottes aussi. Bientôt la taille de mes chaussures. On fait les essayages ou quoi? Ou tu nous montres d'abord ton atelier? Montre-moi cette déco. L'odeur du deux temps. Bon, elle claque bien. T'es contente de les avoir toutes noires comme ça? Ouais. Là, ça va mettre du gaz. Là. Comment tu fais tes leviers? Tu fais des clics pour les. Tu comptes tes clics ou pas du tout? C'est juste. Mais là, on peut pas trop le mettre trop près parce que sinon, quand j'embraye, je peux mettre le point noir. Ok. Mais du coup, et tu comptes. Pour les départs, ça va pas. Elle commence direct, à avancer? Ouais. Direct. Et ça, ils n'ont pas trouvé de solution, Francky? Non. T'as un mètre quelque part ou t'as pas de mètre? Il a pas. Ça, c'est un mètre pour les menuisiers. Tu mesures toujours ta distance de tes leviers? Non. Mais regarde, vas-y, monte sur ta moto. Ça, c'est confortable? Tu vois, déjà, ta main, elle part comme ça. Ouais. Là, on est à la limite. Il est encore pas mal. Il remonte? Il est un petit peu bas. 11. Regarde là, ton levier comme il est loin. Après, trop loin, j'arrive pas à le prendre. Là, ouais, je sais. Mais c'est pour ça qu'il faut ça que tu le règles bien. Avant, t'étais là. Tu vois, on a gagné 1 cm. Là, il est trop loin ou il est bien? Non, là, il est bien. Mais où tu te mets là-bas? Et à l'intérieur? 1020 grammes. Et puis les bottes sont très belles. Il y a pas de blanc. Tu peux les faire la couleur que tu veux, mais blanc, c'est toujours là. Pendant ma carrière sportive, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes intéressées autour de nous et peu de personnes bienveillantes. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de casser les paramètres et de ramener le sport au sport avec la pureté qui va avec. On met un casque, on fait un résultat, peu importe qui on est, et ramener une relation à la simplicité. Le masque, il va bien dans le casque? Ouais. Et là, t'as les lunettes qui t'est vraiment là, nickel. Ouais. Bon, mais c'est stylé. Ouais. T'es prêt à aller rider à Somera? Ah, gros scope. Quand je serai grand, je serai un champion. Voilà. Tu rougissais déjà. Si jamais il a trop pu là-bas, on pourra revenir là. Hein. Parce que c'est top là, comme il est comme ça. Enfin, je sais pas, ça a l'air bien. Voilà, normalement, tu dois reconnaître. Faut aller au terrain de foot. Et il est où le terrain de foot? Il doit être là-bas au foot. Non, c'est pas là.
Cette relation de simplicité, c'est uniquement et tout simplement un petit peu être le godfather, le parrain. Aujourd'hui, Ryan, il est jeune, il a 12 ans, il va avoir 13 ans. Et c'est être un grand frère, un conseiller, un entraîneur, un coach, superviser, aider, que ce soit les parents, que ce soit Ryan. C'était bien, mais... Pour réussir à amener ta moto roue avant, roue arrière, tu l'as fait quelques fois bien. Et du coup, après, c'est saccadé parce que... Mais tu vois, tout, c'est vraiment ce 3. Il faut que tu sois plus précis, là. Il faut vraiment que tu arrives à amener, à bien décomposer. On réessaye. C'est vraiment le premier. Wheel tap, roue avant, roue arrière. Ouais, être vraiment, vraiment le parrain. C'est-à-dire, je pense que j'irai sur le terrain avec lui pour le conseiller, l'aider, parce qu'il a beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai que je l'ai roulé qu'une fois l'année dernière au championnat suisse, là où il a gagné, et il roule vraiment bien. Donc forcément, de par mon expérience, je vais beaucoup lui amener, mais je ne suis pas du tout, encore une fois, dans le système commun où c'est le paramétrer en l'obligeant à faire des choses parce que nous, on sait faire et les jeunes doivent apprendre. Non, c'est essayer de, justement, que c'est à la jeunesse de nous montrer de nouvelles choses et nous de le guider pour qu'il soit encore meilleur que nous, parce que je pense que la jeunesse d'aujourd'hui sera meilleure que le plus haut niveau actuel. Donc c'est vraiment de ne pas le paramétrer, avoir une approche différente, être très ouvert. Bon, alors oui, alors du job, il y a beaucoup, hein, dans la préparation pour partir le week-end, les valises, la préparation des repas, enfin, tout l'ensemble, c'est pas mal de job. Après, bah, c'est de fierté, hein, parce que c'est vraiment un magnifique sport. Après, le cœur de la maman, il ramasse pas mal, hein, parce que c'est pas, je dis toujours, c'est pas de la natation, ça reste qu'un sport motorisé, qui est assez dangereux. On essaye de pas trop y penser, mais c'est vrai que ouais, ça fait peur. Par contre, ouais. On ferme les yeux plus d'une fois. Il a le tout noir et puis il aura son casque non, perso. Ouais, puis donc on ça, c'est cool. Ouais, non, c'est et si jamais, et d'abord, il faut que je m'assure des tailles. Ouais. Donc ça, je vais demander. Là, la grandeur, ça jouait bien. Et après, avec John, tu regardes pour les genouillères. Oui, en tout cas, vous êtes la place. Vous voulez boire quelque chose? Bonjour. Alors, ciao, ciao. À bientôt. Merci, hein. J'annonçais météo pas top, mais j'espère que ça va tenir. Allez, viens, on va pouvoir monter. On peut monter avec toi, alors, si jamais on est trois. Regarde comme il est beau. Ça va, Greg? Tu vas dans les chemins, les trucs. Ah, du coup, on fait... Il y a combien de temps d'ici, toi? Moi, je suis à 30 minutes, là. Bon, qu'est-ce que tu me racontes, Greg? Ouais. Tout va bien? Bah, ça va, hein. À fond. Beaucoup de boulot. Les courses, on n'a pas arrêté une seconde. Et il met du gaz, il monte en puissance de ouf. C'est pas mal, hein. Début d'année, il était à 5-6 secondes, et puis là, petit à petit, les qualifs, les manches, il est là, quoi. Il roulait toujours assez bien, quand même. Moi, ça fait depuis qu'il a 6 ans que je fais faire des chronos, des chronos, des chronos. C'est pour ça qu'il est aussi assez fort au chrono. Bonjour. Bonjour, on est là pour le café. Bonjour. Ça va? Ça va, puis toi? Bonjour. Ça va, Gauthier? T'as pas dormi? Mardi soir ou le jeudi soir. Mais on y va pas trop parce que... Même quand tu roules le soir, des fois c'était tard, on terminait à 20h, c'est de 19 à 21h. Ouais, de 18 à 20h. Bah tu vois, après avec l'école et tout, ça fait vite tard. On va lui demander où il veut aller rouler. Mais on peut pas aller. Non, je sais, mais si jamais il veut faire du super cross, il veut aller à QG, ouais. Comme ça c'est lui qui nous dira. Moi il aime bien le super cross. J'avais une école de motocross et puis il a commencé chez moi. Bah depuis qu'il a 6 ans. C'est toujours moi qui m'occupe parce que son père il travaille beaucoup et puis j'allais à l'entraînement avec et puis je m'occupe de tout pour lui, quoi. Il y a beaucoup de courses et tout, ça demande un peu du temps. Mais ça va. Ce qui est encourageant, c'est qu'il fait des bons résultats, puis il a 13 ans. Puis il a encore une grosse marge de progression. Donc, pour ça, c'est bien, quoi. Il est petit, il a pas trop de force, et puis il roule vraiment sur la technique. C'est pas un bourrin, et puis pour ça, c'est quand même vraiment... C'est encourageant, quoi. Il n'y a pas besoin. Mais oui, largement. T'embête pas, c'est bon. On est bon? On a tout? Bonne balade. Tu fais à toi le beau clock, hein. Voilà, tu me fais plaisir si jamais tu tankes le sprinter.
Honnêtement. Moi qui ressemble le plus sur moto de course, mais. Bah, je pense qu'il faut lui donner toutes les cartes en main pour qu'il choisisse ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire, quoi. Aussi qu'il c'est soit lui qui décide, c'est pas nous qu'on doit décider tout pour lui. Je pense qu'il a aussi son mot à dire et puis voilà. Mais l'important c'est de lui mettre les, ouais, de lui donner toutes les cartes et puis après ben, il décidera lesquelles il veut utiliser. Comment tu sens dans ces casques? Bien ou trop? Bien. Comment tu fais d'habitude quand tu vas à l'entraînement comme ça que tu commences à rouler? Quand tu dis tu roules un peu, tu roules combien de temps? Bon, nickel. Donc, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme vous faites d'habitude. Là, tu fais 15 minutes d'échauffement et puis après, tu fais tes chronos et on commence à bosser. Tu me diras les virages où, qui te plaisent, les virages qui te plaisent pas et on va bosser et on commence à bosser. Ça joue? Aujourd'hui, il a 12 ans, s'il faut, plus tard, il fera du vélo, mais plus de moto. Peut-être qu'il fera de la moto, peut-être qu'on en reparlera dans 10 ans, il sera pro. Mais en tout cas, à court terme, c'est de l'accompagner tout au long d'une carrière, mais vraiment de l'accompagner en off. Ça, toi, tu es à plat. Toi, tu as ton pied, en fait, il est toujours à plat sur ton repose-pied. Il faut vraiment que tu t'en serves de ta cheville comme la pédale de ton vélo. Tu vois ça? Tu vois, toi, tu te tiens à l'inverse. Dès que je mets ta moto, elle vient à te pousser. Éjecter. Tu vois comme tout à l'heure là en fait quand il me dit ben je suis rentré trop à droite du coup j'ai glissé. Ben en fait si jamais il ressent ce qu'il a fait de bien, s'il ressent ce qu'il a fait de moins bien, une fois qu'il a ça il peut progresser. Tu vois en fait c'est la self-analyse. Tu vois c'est la manière de se dire ah ben là j'ai mal fait donc je refais, là j'ai mal fait je refais. Il faut vraiment que lui il ait des clés, c'est apprends-moi à pêcher. Je peux manger jusqu'à la fin de ma vie. Donne-moi un poisson, je mange qu'une fois, tu vois. Mais il est jeune et puis. Et puis il y va au charbon, c'est bien. Ton ornière, t'es pas content de toi? Après, tu te retrouves là-bas, c'est. Là, ton virage, il est vraiment top. La seule chose, c'est ta précision en entrée. Là, moi, ton virage, je le trouve magnifique. J'ai jamais travaillé avec un enfant. Ouais. Et du coup, la mobilité du corps, c'est vrai qu'il peut pas. Il y a des choses, il est obligé de le faire avec le regard. Il est obligé de le faire avec les cale-pieds, mais il ne peut pas le faire avec le mouvement corporel, ouais. De par le transfert de masse, tu vois. Ouais. Mais ça, du coup, il perd le contrôle des fois. Mais bon, il y a du boulot, c'est normal, mais heureusement, oui, à 13 ans. Hein, Gauthier. Je sais pas comment expliquer, je pense que je suis pas... Je suis pas vraiment un love aggresseur, si tu veux. J'aime bien faire aller la moto, mais ça me ferait chier de faire tout le temps que laver, faire le filtre, et puis voilà. Ça va, Ryan? Ouais. Tes contrôles techniques, là, en Suisse, ils te les remettent, les... Il n'y a pas de contrôle technique en Suisse. Ouais, si jamais ils te mettent drapeau rouge et qu'il faut repartir, Greg, il a une paire de rechange ou non? Oui. Non, ça, tu vois, c'est les lunettes. T'es motivé, on les fait les lunettes ou non? Ouais, père. Ok, tu as l'écran. Tu aurais fait pour la course. C'est pour ça que tu as du mal, c'est qu'il te faut peut-être l'appui avec les doigts ici. Faut que je fasse? Ouais. J'arrive un côté, mais pas l'autre. Ouais, il est loin. C'est le premier départ, ça rien. Ouais. Oh, ça rentre vite. Hein. Ça arrive vite quand même. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est. Ah, c'est bon. Ça, ça prouve, je pense, c'est un mètre unique. Ça ne va pas être souvent que tu veux pour. Ouais, et puis ça, tu l'as dans le sang ou tu l'as pas. La prise de décision directe, c'est. La prise de décision est là. Contre... Et là, tu as mis sur pause. Loan, elle a coupé au même moment. Combien tu pars? Deux. C'est quelle heure est là? Je suis pas là. L'affaire est faite.
la vie de pilote de MX retraité, tu vois, c'est un camion, pas de caisse à outils, des affaires, une moto, de l'essence. Juste du fun, du plaisir. Tout seul, sans toute l'inertie des mécanos de ce type de là, tu vois. Là, je suis heureux. À l'ombre d'un arbre. Après ma carrière, j'essaye de ne pas avoir d'obligation. Bah, à vrai dire, je regarde pas ce que font les autres. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, la pureté du sport, c'est ça. Alors qu'après, quand t'es pro, t'as l'entraînement, les chronos, la performance, là maintenant, c'est chill. Aujourd'hui, il a fait péter, je pense, une butée à ses limites. Il faisait chaud, il a râlé pendant 2 jours qu'il faisait chaud. Moi, je suis pas un bourreau. Je veux dire, si jamais il a envie de s'arrêter, il s'arrête. Jamais de la vie, je sais comme c'est dur le sport. C'est pas ma manière de faire. Je préfère, au contraire, l'accompagner pour que ce soit lui-même qui veuille faire un effort. Et Ryan, il a tout. Il suit vraiment ce parcours. Il veut faire les choses. Donc mon travail là-dedans, c'est de lui amener l'aspect mental en lui disant « Sois content, aujourd'hui tu as validé une case, tu as repoussé tes limites, tu as eu chaud, tous tes adversaires vont avoir chaud, et toi aujourd'hui tu as vraiment t'as augmenté le curseur, quoi, tu l'as rehaussé, ta comfort zone, tu l'as augmenté, et ça c'est super important chez un sportif. On ne rentre pas à la maison juste en disant « On a fait un entraînement difficile », non, on rentre à la maison en disant « On a fait un entraînement difficile, mais… » Cet entraînement difficile nous a rendu plus forts, nous a permis de repousser les limites du corps et forcément c'est un bagage d'expérience, de confiance aussi pour aller à la prochaine course. Une heure et demie de spécial, on est là. Elle a l'air bien la piste. Là, pour faire les sauts du terrain à Gautier, faut s'armer de courage. Ça dépend si la piste elle est cool, mais quand elle est cool, il y a plein de sauts, j'adore rouler. Tu ressens comme si tu volais un peu. Maintenant, on apprend à se connaître mutuellement. Je pense qu'il apprend aussi à me faire confiance. Et j'essaie d'amener à chaque fois des conseils, mais surtout de lui amener un bagage d'expérience qu'il peut avoir dans sa caisse à outils pour pouvoir s'en servir. L'important, c'est de ne pas être indispensable, c'est de pouvoir le rendre autonome, qu'il soit autonome, et de l'appliquer. Une fois que tu l'as intégré, petit à petit, bah, il va le mettre en place. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, après-demain. Mais disons, c'est une information qu'il a et qu'il a assimilée. Parfois, il y a beaucoup, donc c'est un peu compliqué de tout faire en un tour, mais il y a des endroits où je trouve que c'est pas bien, donc j'essaye de faire autrement, mais sinon, ça joue. Si tout le monde pouvait le faire dès la première seconde, ce serait très simple et on serait tous champions. Aujourd'hui, il a un gros bagage technique et puis il travaille ses défauts. Et au plus il a de défauts, au plus il y a de marge de progression. Donc ça, c'est quand même une bonne chose à cet âge-là. Et je trouve que jusqu'à présent, on arrive à le faire. Il est bien entouré, il a une moto où il se sent bien dessus, il a des bons partenaires. Aujourd'hui, les seuls problèmes qui lui arrivent, c'est des conditions de course difficiles, des erreurs, il faut apprendre, il faut se remettre en question, etc. Mais il n'y a pas de problème majeur où il perd du temps. Aujourd'hui, Ryan, il s'entraîne et à chaque fois, il y a des conditions. Voilà, il est tombé au départ, il a fait une erreur, il est reparti. Donc le week-end a été top ou le week-end a été un peu moins bien. Mais disons qu'il n'y a pas de perte de temps et c'est ça que c'est là où ses parents sont forts, où moi j'essaie d'amener mon d'être une valeur ajoutée. Et puis techniquement il est bon. Dans un coin de ma tête, c'est pas l'objectif que j'avais aujourd'hui de,
d'espérer être aux côtés d'une nouvelle star et de l'amener. Non. Aujourd'hui, moi, l'objectif que j'ai, c'est de pouvoir rencontrer un jeune, une belle personne avec un bel entourage, faire partie de cet entourage-là et lui amener vraiment une bienveillance au quotidien pour pouvoir le mettre sur les rails, le responsabiliser sans rien attendre en retour. Mais dans le sport, il y a déjà presque une saison qui est passée aujourd'hui depuis le premier jour où on s'est rencontrés. Dans le sport, tu ne peux pas remettre au lendemain. Il faut vraiment mettre en application le jour J parce que tout arrive trop vite et le train, il faut y monter. J'aime bien les jeux vidéo aussi. Et j'aime jouer avec mes amis sur des jeux de moto. On est sur un serveur et on joue tous ensemble. Donc parfois, on se bloque pas assez et tout. Puis on parle ensemble aussi. On va sur Discord et on peut parler. Mais mon ami, il m'a fait la même moto que moi. Il me l'a refait sur le jeu, donc c'est cool. Sur les jeux, ils sont refaits les pistes. Donc ça sera exactement la même piste qu'en vrai. Comme ce week-end à Lequet, je vais peut-être aller jouer un peu sur la piste. Au moins, je pourrais me rappeler de la piste parce que je suis déjà allé une fois. Donc, je fais MX2, MX1 Open. Et ton deuxième pilote, 21. Il a dit à son pote qu'il partait pour lui. Moi, c'est réglé. Attends, essaie de mettre un coup de WD-40 dedans là. Je vois pas le truc, je suis pas dans le mood il va devenir sportif de nouveau, il va réussir. Non, aujourd'hui c'est une belle personne, il est bien entouré, il a des bonnes personnes. S'il veut devenir sportif de nouveau et qu'il a confiance en moi, il me pose des questions, je lui donnerai des clés, j'essayerai de répondre à ces questions. Je suis détaché du projet. Pourquoi? Parce que Ryan c'est mon projet, c'est pas moi. Et c'est vraiment important que ça reste comme ça. Le projet ne peut pas t'appartenir. Il faut être présent et puis sortir. Re-rentrer, sortir. Et aujourd'hui, Ryan, je pense qu'il a cette chance, mais je ne crois pas forcément à la chance. Je pense qu'il faut la déclencher, d'avoir tout ça autour de lui. Et ce sera de savoir se servir de lui. On en revient toujours à la même chose. Mais ce sera à lui de savoir faire sa sauce.
Quand je serai grand, je serai un champion.